1er mai 2014, arrivée d'un premier cortège de la place Saint-Paul. À entendre la musique d'autoradio, je pense que c'est le Parti communiste, suivi du Parti communiste et du PTB Ego. Je suis posé, enfin. Et puis, il y a un certain temps pour venir. Hein. Ah, enfin, voici. Oui, c'est le glorieux Parti communiste en toute sa puissance. La voiture est conduite par mon ami Danny Antonioff. Danny, oh non, tu n'as pas changé. Oh, le Parti communiste a une voiture radio. Et puis, et le reste pour les autres. Merveilleux, on n'a pas de majorette, mais on n'a laisse pas. C'est extraordinaire. La voiture du Parti communiste est partie. Oui, oui, ils sont là. Ils sont là, oui. C'est quand même mieux de suivre la voiture. Bon. Oui, mais bon, je suis obligé de débiter plein de conneries sur mon reportage. On dira encore, mais comment est-ce qu'il a fait un reportage comme ça, à dire autant de conneries et d'imbécilités, je sais pas. Surtout que je viens de publier sur Facebook tout ça. Oui, je te filme d'ailleurs, hein, tu le sais. Il boit un lit de jikir. Si vous ne le verrez pas aujourd'hui, demain, je pense. Il faudra quand même que je le mette en ligne, donc je ne pourrais pas le mettre aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes ici à l'intérieur du stand de l'Djibouti. Hein. Vous voyez, ça c'est les Sambousa, voilà, un véritable Djiboutien, couleur locale. Ça, voilà. Non, toi, je ne te filme pas, je ne peux pas être filmé. Voilà, alors... Voilà, Patti, je peux te filmer, oui, je peux te filmer, non, toi. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, t'inquiète, ça va. Et lui, je peux filmer, lui, je peux filmer. C'est un entrepreneur caché, mais enfin, bon. Ah, voilà, ils arrivent. Regarde, oh là là, avec un drapeau du PTB devant. PTB, c'est le Parti du Travail de Belgique, hein, pour t'expliquer comme t'es mort. Alors, regarde un peu, il chante même l'international. Et celui qui est en tête, au milieu, tu vois, ah, le petit, hein. Là, c'est l'état-major du PTB, le Parti du Travail. T'as Raoul Debout, alors tu as Frédéric Gillot qui est tête de liste aux élections européennes, et tu as la petite dont j'ai oublié le nom, mais je m'en rappellerai plus tard. Et à côté, c'est Marcel Bergen pour le Parti communiste. Attends, ce film là, c'est mieux. Jacques, je te remets. Oui, ok, merci. Ok, ça va.
cadeau. Je veux voter, moi, PSC, monsieur. Hein? Je veux voter, oh, PSC. Tu peux. Vote de ma part, Ah, t'as vu, c'est écrit, hein. Je vais filmer que tu veux voter, PSC, hein. Oh, bon, hein. Dans ce cortège d'abominables personnes. Bien. Pierre. Très bien. Je suis fière. Mm-hmm. Dis, t'imagines quoi, arriver. Ouais. Et qu'est-ce qui t'arrivait à toi aussi? À qui? Non. Il a fait 900 voix aux élections communales. Il a fait 900 voix totalement aux élections communales, beaucoup plus que Michel Hoffmann. Mm-hmm. Il a juste son mandat conseiller communal. Ah oui. T'en fais pas, Bernadette. Depuis 15 jours j'habite à Jufrel, je reviens en terre liégeoise. Allez. Je vais faire chier le monde. Je vais faire chier le monde. Oui, comment? Mais écoute, je parlais de toi tout à l'heure avec... Oui, oui. Non, mais bah oui. Sérieusement, il y a plus, beaucoup plus de monde que l'an passé. Oui. Donc là, c'est Comac. Comac, c'est le mouvement de jeunes du PTB. Thank you.
membre du Parti communiste et du PTB, gauche d'ouverture. Bonjour à tous, camarades. Si vous voulez manger, il y a ici au stand de Djibouti des spécialités djiboutiennes, des samboussas et des beignets avec de la sauce qui pique pour 5 euros le ravier et du jus de pomme à 1 euro le godet et le Nijikir qui est un mélange de persil sans alcool et de mousseux. Venez nous rejoindre au stand de Djibouti.